予言の子は間違いなくお前だ。あとは全て託すぞ。Yo tout le monde, bienvenue dans la seconde partie de cette uchronie, et si Jiraiya était devenu Hokage. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mets le lien en fiche et en description. Pour les autres, on s'était arrêté la dernière fois au sauvetage de Sasuke par Naruto, Jiraiya et Itachi, provoquant la fuite d'Orochimaru avec l'homme masqué. Du coup, je vous propose qu'on perde pas plus de temps, et qu'on reprenne notre histoire là où on l'avait laissée. Bon visionnage. De retour à Konoha, Jiraiya et les autres sont accueillis par Tsunade, Sakura, ainsi que les équipes Gai et Asuma, tout juste rentrés de leurs missions respectives pour intercepter les duos de l'Akatsuki. Grâce à nos renseignements, nous avons pu empêcher l'organisation de mettre la main sur le Kazekage et l'hôte de Nibi. Cette prise d'initiative nous a permis de nous accorder les faveurs de Suna et Kumo. Le Kazekage et le Raikage sont d'accord pour mettre en place une alliance de principe afin de neutraliser l'Akatsuki, explique Asuma. Parfait. Naruto, tu vas partir rejoindre le Jinchuriki de Kumo Killer Bee avec Kakashi et Gai. Vous avez rendez-vous sur une île reculée du pays de la foudre. Ce sera l'étape finale de ton entraînement. Avec ton niveau actuel et l'aide d'un réceptacle du calibre de Bee, tu devrais pouvoir faire tien une bonne partie du chakra de Kyubi, poursuit Jiraiya, tout en invoquant Gero Tora, le crapaud qui contenait la clé du sceau créé par Minato autrefois. Naruto n'était pas spécialement surpris. Durant son séjour au mont Myoboku, le grand sage des crapauds Gamamaru lui avait prophétisé qu'il partirait s'entraîner avec un homme poulpe sur une île paradisiaque. Le moment était donc venu. Pendant que Naruto complétera sa formation, la coalition de Suna, Kumo et Konoha prendra les mesures nécessaires pour débusquer Peina Ame. Une fois son entraînement terminé, Naruto rejoindra les rangs de la coalition avec Killer Bee afin de confronter l'Akatsuki une bonne fois pour toutes. Au début, Tsunade s'était opposé à cette stratégie. Naruto, Gaara et Killer Bee sont les cibles prioritaires de l'Akatsuki. Ne serait-il pas plus logique que nous les mettions en sécurité plutôt que de les envoyer combattre, avait-elle demandé au 5ème Hokage? Je comprends ton point de vue, mais je suis convaincu que Minato a scellé Kyubi en son propre fils, justement pour faire de lui le seul shinobi capable d'affronter Madara. Il est notre meilleure chance de victoire dans ce conflit. Si tu ne me fais pas confiance, fais au moins confiance au 4ème du nom. Il a tout misé sur Naruto, et j'ai décidé de faire de même. Pour moi, le doute n'est plus permis. C'est lui l'enfant de la prophétie, avait expliqué Jiraiya. Pendant ce temps, Kabuto est interrogé par Ibiki, tandis que son cerveau est sondé par Inoichi. Plein d'informations sur Orochimaru, ses techniques, ainsi que les autres villages sont soutirés, mais malheureusement, aucune sur l'homme masqué, qui était passé maître en matière de dissimulation, notamment grâce à son ninjutsu spatio-temporel. Cela dit, ils apprennent que le leader officiel de l'Akatsuki possède un dojutsu surpuissant, le Rinnegan. Une fois mis au courant, Jiraiya comprend immédiatement que ça ne pouvait être que Nagato. Des possesseurs de Rinnegan originaires d'Ame, ça ne court pas les rues. Bien sûr, le Hokage est désolé d'apprendre que son ancien élève Nagato a mis ses pouvoirs au service de l'homme masqué. Il aurait aimé le raisonner pour rompre l'emprise de Madara sur lui. Mais en tant que leader de la coalition, et maintenant que son plan d'attaque est en place, sauver Nagato passe bien après la victoire face à l'Akatsuki. Pendant ce temps, Naruto, Kakashi et Gai se mettent en route pour le pays de la foudre afin d'y rencontrer Killer Bee, tandis qu'Itachi reste sous couverture à Konoha, en ayant pris l'apparence d'un membre des forces spéciales. Après une dernière réunion préparative dans le bureau du Hokage, Itachi, Jiraiya et Tsunade ont une conversation. « Je suis désolé Itachi, j'ai mis Tsunade et Naruto dans la confidence, mais j'ai toute leur confiance, ils ne révéleront pas ton secret, ils s'y sont engagés. Nous aurons besoin de toi dans ce conflit, et la collaboration d'un shinobi du calibre de Sasuke ne serait pas trop. Tu penses pouvoir faire ça ?» lui demande Jiraiya. Itachi avait dans tous les cas prévu de révéler la vérité à Sasuke. Il avait la conviction que son petit frère finirait par comprendre et se ranger dans les rangs de Konoha. Problème, Itachi est gravement malade. Même en se préservant, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Jiraiya m'a parlé de ta condition. J'imagine que tu le sais, mais tu es condamné. J'ai quand même pris la liberté de te concocter un traitement qui devrait te permettre de combattre à presque 100% de tes capacités dans les jours à venir. Cela devrait suffire pour que tu tiennes le coup d'ici à ce qu'on ait réglé le problème de l'Akatsuki, avait poursuivi Tsunade en tendant à Itachi une boîte de médicaments. Ce dernier était reconnaissant. Lui qui avait toujours tenté de tout régler tout seul, le fait d'avoir des camarades qui, comme lui, sont prêts à tout pour défendre son village, sans pour autant négliger son petit frère, cela lui rappelait sa relation avec Shisui, et sa flamme de la volonté brûlait plus fort que jamais.
Armé de toute sa détermination, Itachi s'infiltre dans la cellule où était retenu Sasuke depuis leur retour au village. Il lui explique alors toute la vérité sur ses motivations, sur le fait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'éliminer le clan pour éviter une guerre civile, mais aussi pour le protéger. Bien sûr, dans un premier temps, Sasuke refuse d'y croire et tente de se débattre, mais il est fermement attaché. Itachi poursuit en lui disant que grâce à Jiraiya et Naruto, il a pu empêcher Orochimaru de lui voler son corps. Il lui explique également que Jiraiya a totalement écarté du pouvoir central les commanditaires du massacre, pour qu'ils soient punis pour leur méthode d'une part, mais aussi pour les empêcher de s'en prendre à lui d'autre part, sachant qu'ils avaient sans doute pour ambition de définitivement éliminer toute trace du clan Uchiwa, ce clan capable de contrôler les démons à queue avec leur pouvoir oculaire. Le soir du massacre, je n'étais pas seul. J'étais accompagné d'un autre Uchiwa, poursuit Itachi. Il lui explique alors que cet Uchiwa était vraisemblablement Madara, le premier Uchiwa à avoir fait évoluer ses pupilles au maximum en éveillant le Mangekyo Sharingan, puis le Mangekyo Sharingan éternel en s'emparant des pupilles de son frère. Il précise également que Madara était à l'origine de l'attaque de Kyuubi il y a environ 15 ans, et qu'en tant que leader officieux de l'Akatsuki, il ne comptait pas s'arrêter là. Je suis gravement malade, il ne me reste plus longtemps à vivre. Bats-toi à mes côtés pour défendre Konoha, pour préserver la mémoire de notre clan. Le moment venu, tue-moi pour éveiller tes Mangekyo Sharingan, puis empare-toi de mes yeux pour éveiller le Mangekyo Sharingan éternel. Deviens le Uchiwa qui donnera tort à tous ceux qui pensaient que le pouvoir de notre clan est une malédiction. Deviens celui qui s'oppose à Madara, lui qui incarne tous les mauvais travers de notre lignée. J'ai promis à Shisui de défendre le village quoi qu'il en coûte, même si ça signifiait sacrifier tout ce que j'aimais. Mais je n'ai pas eu la force de te tuer toi, petit frère. J'espère que tu sauras me pardonner, conclut Itachi, tout en donnant une piche nette sur le front de Sasuke. Sur ces dernières paroles, Itachi quitte la cellule de Sasuke afin de lui laisser le temps de digérer la terrible vérité qu'il venait de lui révéler. En parallèle, Naruto et les autres ont rejoint Killorbi sur l'île de la Tortue, et l'entraînement peut commencer. La première épreuve consiste à affronter son soi obscur aux chutes de la vérité, autrement dit la manifestation de ses sentiments négatifs, afin de s'accepter tel que l'on est réellement, une étape obligatoire pour contrôler son démon à queue. Malheureusement, Naruto est encore jeune et inexpérimenté. Très vite, ses sentiments négatifs l'envahissent, et le chakra de Kyuubi commence à s'échapper en trop grande quantité. Naruto a échoué dans cette première épreuve, et le sceau du démon renard est sur le point de se briser. Mais alors que le jeune Uzumaki s'apprête à perdre totalement le contrôle, une silhouette jaune fait son apparition dans son espace spirituel. Le quatrième du nom, mais qu'est-ce que vous foutez là, s'écrie Naruto. Minato lui révèle alors qu'il est en fait son fils, qu'il a volontairement laissé une partie de son chakra dans le sceau de Kyuubi pour le refermer si besoin le moment venu. J'ai scellé Kyuubi en toi car j'ai découvert le soir de ma mort qu'un shinobi très dangereux agissait dans l'ombre. Je t'ai confié ce pouvoir pour que tu aies les moyens de l'affronter, explique d'abord Minato. Je comprends mieux pourquoi Maître Jiraiya a tant misé sur mon entraînement, répond Naruto. Je vois, Jiraiya-sensei a compris mes intentions, pas surprenant venant de lui. Me voilà rassuré. L'homme à la tête de l'Akatsuki en a appris le système shinobi tout entier, il ne s'arrêtera probablement pas avant de l'avoir totalement renversé. Le destin du monde entier repose sur toi, je suis désolé que tu aies apporté un tel fardeau, mais je sais que tu y parviendras. C'est le rôle d'un parent que de faire confiance à son enfant, non? En concluant sa phrase, Minato referme le sceau de Kyuubi avant de s'évaporer. Alors que Naruto reprend conscience, Kakashi et les autres sont perplexes. « On pensait avoir perdu, Naruto !» s'exclame Gai. « Ne vous en faites pas, j'ai été sauvé par mon paternel. J'aimerais retenter l'épreuve si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Kakashi accepte la demande de Naruto, en réalisant que ce dernier venait de faire la rencontre de son défunt sensei Minato Namikaze. Grâce à sa rencontre avec son père, Naruto passe finalement l'épreuve de la cascade et accède à la deuxième étape, consistant à s'entraîner au contrôle de son démon dans une salle spécialement prévue à cet effet, située dans un temple juste après les chutes de la première épreuve. Concrètement, cette deuxième étape consiste pour un Jinchuriki à briser son sceau, afin de s'emparer d'une partie de son démon, puis l'exploiter comme son propre chakra. Problème, cela demande de confronter directement Kyuubi dans son espace spirituel. Avec l'aide de Killorbi et de son Modermite, Naruto parvient à malmener Kyuubi, et il est même à deux doigts de s'emparer d'une partie de son chakra. Mais le démon renard résiste, et il parvient même à retourner la situation en sa faveur. Naruto s'apprête carrément à être aspiré par Kyuubi, mais il est à nouveau aidé par une intervention salvatrice. Après son père Minato, c'est au tour de sa mère Kushina de venir en aide à Naruto dans son entraînement à la maîtrise de Kyuubi. Grâce au chakra de sa mère et sa motivation encore boostée, Naruto parvient finalement à repousser Kyuubi avec sa grêle d'orbe avant de lui arracher suffisamment de chakra pour réussir la seconde épreuve. Naruto a désormais accès au mode chakra de Kyuubi. Son entraînement est terminé. Pendant ce temps, les shinobi de Konoha, Suna et Kumo ont assiégé le village caché de la pluie pour forcer Pain à se rendre. Bien sûr, ce dernier n'en a aucunement l'intention et le conflit ouvert est désormais inévitable.
Mais l'Akatsuki s'y est déjà préparée. Puisque nous ne pouvons plus agir dans l'ombre, nous allons devoir nous emparer des démons à queue par la force pour enclencher le plan Œil de Lune, avait ordonné l'homme masqué. La coalition va sans doute déployer ses Jinchuriki. Après tout, ils constituent l'une de leurs plus grosses forces de frappe. Nous n'aurons qu'à les massacrer un par un et sceller les bijoux dans le Gedomazo plus tard, poursuivit Pain. Je devrais pouvoir vous aider dans ce conflit. Tout ce que je demande en échange, c'est qu'une fois que notre victoire sera assurée, vous me laissiez m'emparer du corps du jeune Sasuke et que j'ai le champ libre pour détruire Konoha, avait renchéri Orochimaru. Les trois hommes s'étaient donc mis d'accord. L'homme masqué allait déployer une armée de Zetsu blancs pendant que Pain servirait d'appât à Ame avec Conan. Une fois toute la coalition présente autour du village caché de la pluie, l'homme masqué enverra ses Zetsu et Orochimaru pourra déployer ses Edo Tensei pour tenter de renverser d'un seul coup les shinobi ennemis. En effet, non seulement l'homme masqué avait permis à Orochimaru de récupérer de l'ADN des anciens membres de l'Akatsuki pour les réanimer avec son jutsu de nécromancie, mais en plus, le Sanin avait été secrètement approché par Zetsu noir. Ce dernier lui avait permis d'obtenir l'ADN rarissime d'un shinobi surpuissant qui, d'après lui, leur permettrait de remporter ce conflit à coup sûr, celui de l'illustre Madara Uchiwa. En effet, l'homme masqué n'était pas réellement Madara, mais un autre Uchiwa que ce dernier avait recruté puis manipulé afin de lui confier la mise en place du plan Œil de Lune, qui consiste à plonger le monde entier dans un genjutsu pour imposer la paix, avant de le réanimer avec les pouvoirs du Rinnegan de Nagato, qui se révélait en réalité être ceux de Madara justement. En apprenant tout ça, Orochimaru jubile. Il a désormais un atout colossal dans sa manche, qui peut lui permettre non seulement de dominer la coalition, mais aussi de prendre l'avantage sur l'homme masqué et Pain. Orochimaru se demandait tout de même pourquoi Zetsu lui avait fait un tel cadeau. Ce dernier s'était justifié en lui disant qu'il voulait se défaire de l'emprise tyrannique de l'homme masqué, et il demanda même à Orochimaru, en échange de sa collaboration, que le Sanin l'aide par la suite à s'en débarrasser, afin qu'ils règnent ensemble sur le monde Shinobi. Bien entendu, Zetsu avait menti et il œuvrait en réalité en solo afin d'accomplir le plan Œil de Lune dans son propre intérêt. Ainsi, l'alliance Akatsuki-Orochimaru est en place. Lorsque les plus grosses figures de la coalition seront amassées au bord du village caché de la pluie, Pain et l'homme masqué, accompagnés de ses Zetsu blancs, ainsi qu'Orochimaru et ses Edo Tensei leur tomberont dessus. Pendant que chacun des camps peaufine ses préparatifs, Itachi retourne voir Sasuke, toujours enfermé dans sa cellule. « Alors petit frère, tu as pris ta décision ?» lui demande-t-il. En parallèle, Naruto, Killer Bee, Kakashi et Gai se sont mis en route pour le village caché de la pluie. Une fois sur place, Naruto raconte à Jiraiya avoir rencontré Minato, ce qui conforte le Hokage dans les théories qu'il avait émises sur les intentions réelles de son ancien élève. « Parfait, maintenant que tu es là, Naruto, nous pouvons lancer l'assaut », déclare Jiraiya aux membres de la coalition. Ce dernier n'avait rien laissé au hasard. Malgré le fait que sur le papier, l'alliance de trois des grands villages cachés devrait ne faire qu'une bouchée de celui de la pluie, il fallait s'attendre à tout. Ainsi, la coalition fut divisée en trois factions. L'unité de soutien, dirigée par le Kazekage Gaara, dans laquelle on retrouve les ninjas sensoriels en charge de la communication, ainsi que la plupart des ninjas médecins, à l'exception de Sakura et Tsunade, qui font quant à elles partie de l'unité d'assaut. Il s'agit de l'unité dirigée par Jiraiya en personne, et dont l'objectif est de mener l'attaque sur le village d'Ame pour débusquer Pain. Enfin, la dernière unité, celle d'interception, est menée par le Raikage. Son rôle, intercepter d'éventuels fuyards et défendre l'unité de soutien d'une potentielle riposte ennemie, puisque Jiraiya en a bien conscience, Orochimaru et l'homme masqué peuvent débarquer à n'importe quel moment. Et justement, il ne s'était pas trompé, car après plusieurs jours de siège, et alors qu'il s'apprêtait à lancer l'assaut, Jiraiya et les autres sont surpris de voir que les shinobi d'Ame sortent d'eux-mêmes de l'enceinte du village. « C'est bon, on se rend », s'écrit l'un d'entre eux. Bien entendu, il s'agit d'une diversion pour permettre à l'homme masqué de déployer ses Zetsu blancs afin d'attaquer. « Où est passé votre leader ?» s'exclame immédiatement Jiraiya, qui sent bien que ça a été beaucoup trop facile. À peine le temps de finir sa phrase que des milliers de Zetsu blancs surgissent de nulle part et commencent à attaquer la coalition. « Je vois, Pain a servi d'appât. Ils avaient prévu de nous affronter ici avec l'avantage du terrain », comprit Jiraiya. « Pas le temps d'élaborer une contre-stratégie, il faut engager le combat. » Les Zetsu sont faibles, mais leur grand nombre pose rapidement un problème à la coalition. Jiraiya et Tsunade en terrasse par dizaines, mais alors qu'ils tentent de forcer le passage pour partir à la recherche de Pain, ces derniers sont interceptés par Orochimaru. « Vous ne pensiez tout de même pas qu'on allait gentiment se laisser faire », lance Orochimaru à ses anciens équipiers. Les trois Sanin déploient leurs plus puissantes invocations et se lancent dans un affrontement titanesque. « C'est aujourd'hui que je vengerai Maître Hiruzen, et que je mettrai fin à tes agissements », s'écrit Jiraiya avant d'envoyer un surpuissant Katon avec Gamabunta. Orochimaru parvient à esquiver, et il compose ses mudras pour invoquer les anciens membres de l'Akatsuki. Ces derniers s'éparpillent alors sur le champ de bataille. Le Raikage est pris en tenaille par un Kizame et un Kakuzu vraisemblablement contrôlés. Il parvient à éviter la plupart de leurs assauts, mais comme les autres, il doit en même temps se débarrasser des milliers de Zetsu blancs qui sèment la pagaille entre les lignes. Soutenu par la coalition, le Raikage mène la charge contre les Edo Tensei.
Pendant ce temps, Pain est encore réfugié dans la plus haute tour du village caché de la pluie, accompagné de Conan et Zetsu Noir. En effet, le corps du leader officiel de l'Akatsuki est totalement incapable de se déplacer par lui-même, et il a besoin de ses avatars, qu'il contrôle à distance avec ses Rinnegan pour se défendre. Les Jinchuriki sont arrivés. Il est temps que je déploie les Pain pour les capturer, déclare-t-il. Nagato, n'en fais pas trop. Sans toi, on ne pourra de toute façon pas sceller les bijoux dans le Gedomazo une fois la bataille terminée. Alors tâche de te préserver, lui répond Conan. De son côté, l'homme masqué aussi attendait l'arrivée de Naruto et Killer Bee afin d'intervenir pour tenter de les capturer avec le pouvoir spatio-temporel de son Mangekyo Sharingan. Pendant que Jiraiya et Tsunade affrontent Orochimaru et que le Raikage combat les Edo Tensei avec son unité, Naruto et Bee tentent à leur tour de se frayer un chemin pour atteindre l'enceinte du village caché de la pluie. Ils parviennent sans effort à se débarrasser des Zetsu sur leur passage, mais alors qu'ils allaient pénétrer le village, un portail s'ouvre face à eux et l'homme masqué apparaît. Kyubi, Hachibi, il est temps que je vous passe vos laisses, s'amuse-t-il. Tu comptes m'affronter alors que je maîtrise maintenant le mode chakra de Kyubi ? Visiblement, tu me sous-estimes, lui répond Naruto. Confiant, ce dernier se précipite sur l'homme masqué et tente de le frapper avec son Rasengan, mais une fois encore, il lui passe au travers. L'homme masqué se projette vers Naruto pour tenter de l'aspirer avec sa technique secrète, mais il est interrompu par Kakashi et Gai. Killer Bee en profite pour se transformer immédiatement en bijou et il lance une immense orbe des démons à queue sur son adversaire. C'est inutile, Bee. D'après nos renseignements, Madara maîtrise une forme de ninjutsu spatio-temporel, explique Kakashi. Les quatre shinobi comprennent alors que pour parvenir à toucher l'homme masqué, il faudra être capable de le frapper lorsqu'il se rematérialise pour attaquer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, et l'homme masqué continue de leur glisser entre les doigts. Cela dit, l'addition des pouvoirs de Kakashi, Gai, Killer Bee et Naruto met beaucoup de pression, et l'homme masqué ne parvient pas non plus à trouver l'ouverture pour capturer les Jinchuriki de Konoha et Kumo. Les quatre shinobi sont dans une position avantageuse, mais alors qu'ils avaient espoir de venir à bout de l'homme masqué tous ensemble, ces derniers sont attaqués par d'immenses créatures. Tu tombes à pic, Nagato. Il est temps pour moi de leur enseigner la souffrance, lui répond l'un des six corps venant d'apparaître au beau milieu du chaos de la bataille. On va devoir affronter les deux leaders de l'Akatsuki. Ça va être chaud, comprend immédiatement Gai. Un peu plus loin sur le champ de bataille, Jiraiya aperçoit que Naruto et les autres sont en difficulté. Pas de temps à perdre avec Orochimaru. Il doit se dépêcher d'en finir pour rejoindre les autres. Tsunade, gagne-moi un peu de temps. Je vais passer en mode ermite, s'écrie-t-il. Après quelques instants, Jiraiya invoque Fukasaku et Shima et parvient à entrer en mode ermite. Tsunade, pars aider le Raikage et les autres. Je m'occupe d'Orochimaru personnellement, lance Jiraiya. Tu penses que je vais vous laisser faire sagement, s'écrie à son tour Orochimaru en fonçant sur Tsunade. Jiraiya parvient à l'intercepter et le repousse avec un puissant coup de pied. Grâce à ça, Tsunade parvient à rejoindre l'unité du Raikage qui affrontait Kizame et les autres Edo Tensei. Le Raikage a réussi à prendre de vitesse Kizame et Kakuzu à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Il a beau les détruire au corps à corps, ces derniers se régénèrent à l'infini. Deidara sème de son côté la pagaille en bombardant le champ de bataille depuis le ciel. Gaara tente bien de le contenir avec son sable, mais là encore, pas moyen de s'en débarrasser. La coalition comprend alors que pour en venir définitivement à bout, les Edo Tensei devront être scellés. Les corps de Pain et l'homme masqué donnent du fil à retordre à Naruto et aux autres. Gai est forcé d'ouvrir la 7ème porte. Grâce à ça et avec le soutien de Killer Bee, il parvient à détruire 4 des corps de Pain pendant que les autres tentent de toucher l'homme masqué. Mais les avatars détruits sont aussitôt remis sur pied par un des autres corps. Ils comprennent alors que détruire ce corps doit être la priorité, mais Gai s'épuise rapidement avec sa 7ème porte. De leur côté, Naruto et Kakashi peinent toujours à attraper l'homme masqué, mais ce dernier a également bien du mal à trouver l'ouverture. Tendo, l'avatar principal des Pain, entreprend alors de lancer sa plus grosse technique pour repousser tous ses ennemis d'un coup. La technique passe bien sûr au travers de l'homme masqué, mais elle envoie balader Naruto, Gai et Killer Bee qui se trouvaient sur la trajectoire. L'homme masqué en profite pour se lancer sur Naruto, mais Kakashi, qui s'était réfugié dans le sol avec son Doton, surgit pour lui lancer un kunai in extremis avant que l'homme masqué ne touche Naruto pour l'aspirer. L'homme masqué parvient à passer au travers et il redirige même le kunai imprégné de chakra Raiton vers Naruto. Kakashi est alors obligé de sortir sa propre arme secrète, le Mangekyo Sharingan. Grâce au pouvoir de sa pupille, il parvient à aspirer le kunai avant qu'il n'atteigne Naruto. Ce dernier en profite pour tenter de frapper l'homme masqué avec un bras de chakra, mais là encore il échoue. Cela dit, Kakashi remarque que le masque de leur adversaire est entaillé. C'est impossible. Ne me dites pas que... Kakashi commence à comprendre le fonctionnement du jutsu de l'homme masqué, ce qui provoque chez lui un sentiment très désagréable. De son côté, Orochimaru parvient à tenir Jiraiya grâce à ses permutations et ses invocations. En effet, il vient de faire apparaître un nouveau pantin grâce à l'Edo Tensei, celui du troisième et plus puissant des Kazekage. Ça va être plus compliqué que prévu, mon petit Jiraiya. Ce gars-là a des techniques pas banales, analyse Fukasaku. Jiraiya arrive sans mal à repousser le troisième Kazekage avec ses techniques ermites, mais là encore, impossible de lui infliger de vrais dégâts. Il voit bien que Naruto et les autres sont en difficulté, mais il ne parvient pas à couper court au combat contre Orochimaru.
Cela dit, le reste de la coalition est parvenu à sceller Sasori et a donc confirmé sa théorie sur l'efficacité du Fuinjutsu sur les Edo Tensei. En comprenant ça, Orochimaru prend une décision qui changera complètement la phase de la bataille. Le moment était venu d'invoquer le vrai Madara. Orochimaru réalise ses mudras et sortant du sol apparaît un nouveau cercueil duquel jaillit le légendaire Madara Uchiwa. Perché du haut de sa tour, Zetsu Noir jubile. Les différents affrontements sont tous interrompus temporairement par l'apparition de ce mastodonte. Orochimaru, ordure, comment tu as mis la main sur ça? L'homme masqué est foudrage. Mais alors, l'homme masqué qui est-il? Se demande Jiraiya. Kakashi sentit une goutte de sueur froide couler sur son front. Si l'homme masqué n'est pas le vrai Madara, alors sa théorie devient de plus en plus crédible. Le Madara réincarné se précipite sur le champ de bataille et massacre un à un les membres de la coalition. Le Raikage tente de lui porter un coup, mais ce dernier est bloqué par le Susanoo. Madara enchaîne avec une puissante attaque Katon que la coalition peine à repousser. Personne ne comprend rien à la situation et Madara en profite pour se rendre à toute vitesse auprès de l'homme masqué. Obito, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas comme ça que je devais être amené à la vie. Je vois que Nagato n'a même pas utilisé le Rinne Tensei et que les Jinchuriki ne sont pas encore capturés. Tu as vraiment perdu le contrôle, on dirait, lance froidement Madara à l'homme masqué. Gai se retourne immédiatement vers Kakashi. T'as entendu? Je rêve où il vient de l'appeler, mais Kakashi l'interrompt aussitôt. Je m'en doutais. Obito, c'est bien toi? J'ai d'abord refusé d'y croire, mais le doute n'est plus permis. Alors tu as survécu. Les deux anciens camarades se lancent alors dans une discussion. Obito explique à Kakashi qu'il a été recueilli par Madara, et que lorsqu'il voulait rentrer à Konoha, il a vu Rin mourir de sa main. C'est comme ça que j'ai réalisé que c'est Madara qui a raison. Tant qu'il existera de l'amour, il existera de la haine. Un cycle infini et infernal de guerre. Si on ne fait rien, voilà ce que l'avenir du monde Shinobi nous réserve pour l'éternité. Avec le pouvoir de tous les bijoux fusionnés, nous pourrons vous libérer de cette souffrance en lançant un genjutsu si puissant que le monde entier y sera plongé. Chacun y sera libre de vivre ses rêves, et la paix véritable sera possible, explique-t-il. La paix véritable? Laisse-moi rire, s'écrie Naruto qui venait de se recouvrir d'un long manteau de chakra. En effet, en voyant Madara apparaître sur le champ de bataille, Kyuubi avait décidé de collaborer avec Naruto pour en venir à bout. Naruto, je vais exceptionnellement te donner l'accès à toutes mes réserves. Je connais bien Madara, et il n'existe personne en ce monde que je hais plus que lui. Mais ne t'enflamme pas, une fois tout ça terminé, on réglera nos comptes tous les deux, lui avait dit le démon renard. Armé de son nouveau mode chakra, Naruto se projette à toute vitesse sur Madara et Obito. Madara prend rapidement le meilleur sur Naruto, mais ce dernier déploie un immense avatar de Kyuubi. Un combat titanesque commence alors. Un peu plus loin, Fukasaku remarque que Naruto est en difficulté et Jiraiya le sait, mais Orochimaru est coriace. Et alors que l'affrontement entre les deux Sanin se poursuit, deux Shinobi apparaissent aux côtés de Jiraiya. Désolé pour le retard, Sasuke et moi avions quelques comptes à régler avec Danzo avant de vous rejoindre. Les deux frères Uchiwa viennent de rejoindre le champ de bataille. Après un bref échange d'amabilité avec Orochimaru, Itachi s'empresse d'invoquer un de ses corbeaux. L'oiseau projette son regard vers Orochimaru, qui est alors piégé dans le Koto Amatsukami. En parallèle, les Shinobi de la coalition ont réussi à sceller la plupart des Edo Tensei, et ils continuent de repousser les Zetsu. Shikamaru est parvenu à atteindre Deidara en hauteur avec sa manipulation des ombres grâce au sable de Gaara. Ainsi, le dernier des Edo Tensei initiaux est scellé. De son côté, Sakura remarque que Sasuke a rejoint le champ de bataille. Elle s'empresse donc de le rejoindre, mais Tsunade l'en empêche, afin de ne pas griller la couverture d'Itachi, prétextant qu'elle devait se focaliser sur les derniers Zetsu encore en vie. Du côté d'Itachi justement, le combat est déjà terminé de toute façon. Je vois, tu avais donc gardé la pupille de Shisui. Quel dojutsu surpuissant, remarque Sasuke. En effet, Itachi venait de placer Orochimaru sous l'emprise du genjutsu unique de Shisui, une surpuissante illusion lui ordonnant de protéger Konoha. Maintenant, Orochimaru annule ta technique de l'Edo Tensei et ordonne Itachi au Sanin. Zetsu Noir, qui observait le champ de bataille depuis les hauteurs d'Ame, comprend qu'il va devoir intervenir s'il veut permettre à Madara et Obito de se déchaîner et vaincre la coalition. Envoie tes peines sur la position d'Itachi. Nous allons faire payer à ce traître, dit Zetsu à Nagato. Ce dernier s'exécute et les six corps de Pain se précipitent en direction de Jiraiya, Itachi et Sasuke. Conan, tu devrais te rendre sur place aussi. Ils ont l'avantage du nombre et sont tous de puissants shinobi. Même Pain risque d'être mis en difficulté, explique Nagato. Conan déploie ses ailes et se lance du haut de la tour pour rejoindre le champ de bataille. Une aubaine pour Zetsu Noir, qui est désormais seul avec Nagato. Je vois. Donc c'est bien toi, Nagato. Décidément, toute ma vie m'aura mené à cet instant, comprend Jiraiya. Maître Jiraiya, je ne suis plus celui que vous avez connu. Je serai sans pitié, répond Tendo. Les corps de Pain se lancent dans la bataille face à Jiraiya, Itachi et Sasuke, mais ils sont rapidement débordés. Malgré sa capacité à réanimer les corps avec Jigokudo, ses adversaires comprennent peu à peu le fonctionnement de ses techniques, et son secret risque d'être bientôt découvert. Je n'ai pas le choix, je vais utiliser la naissance de l'astre divin et tous les emprisonner d'un coup, déclare Nagato à Zetsu. Nagato, Conan, vous êtes tombé bien bas, vous êtes manipulé par l'homme masqué. Arrêtez immédiatement cette folie, je ne veux pas avoir à vous tuer, lance Jiraiya. Vous parlez comme si vous en étiez capable, maître Jiraiya, répond froidement Tendo, tout en joignant les paumes de ses mains, alors que les cinq autres corps tombent au sol, comme s'ils avaient été désactivés. Jiraiya, je crois avoir compris, déclare Itachi en observant la scène.
Oui, le vrai Nagato les contrôle à distance. Commençons par nous débarrasser de ces avatars. Sans eux, je soupçonne qu'ils soient vulnérables, répond Jiraiya. Mais à peine leur petit échange terminé que les shinobi de Konoha sont comme aspirés vers la sphère noire que Tendo venait tout juste de lancer dans le ciel. Ça craint, ce truc nous attire. On va être écrasé par les débris alentour. Regardez, ils ont déjà commencé à former une sorte de petite lune, s'affole Sasuke. Itachi demande à son frère de garder son calme en lui expliquant que toutes les techniques ont un point faible. Il propose alors à ses deux compères d'unir leurs forces afin de frapper le cœur de l'astre en même temps pour potentiellement désactiver la technique. Itachi déploie alors son Susanoo pendant qu'un clone de Jiraiya produit un Rasengan gigantesque. Sasuke active sa marque maudite et lance un barrage de techniques Katon dans le ciel. Itachi lance ses projectiles magiques de Yasaka, le clone de Jiraiya s'élance, et Sasuke fait s'abattre la foudre sur l'astre grâce à sa technique Kirin. Ensemble, ils réussissent l'exploit de faire exploser le cœur noir, et la technique de Pain est annulée. C'est vraiment un jutsu terrifiant, s'amuse Itachi en s'adressant à Sasuke. Je l'avais créé pour te tuer, content qu'il te plaise, lui répond alors Sasuke. Mais pas le temps de plaisanter. Jiraiya s'empresse d'immobiliser Konan avec son huile et sa technique de la crinière du lion, pendant qu'Itachi perfore le corps affaibli de Tendo avec son épée de Totsuka. Le fait que l'âme de Tendo ne soit pas aspirée dans sa lame confirme la théorie d'Itachi. Le vrai détenteur du Rinnegan n'est pas ici, et il contrôle ses avatars à distance. Dépêche-toi de rompre l'Edo Tensei pour renvoyer Madara dans la tombe, s'écrie Jiraiya tout en retenant Konan. Orochimaru s'exécute et compose son mudra pour mettre un terme à sa technique de nécromancie. Du côté de Naruto, l'âme de Madara commence donc à s'évaporer. Je vois, l'Edo Tensei a été rompu. Votre allié se fait avoir comme un bleu. Tu ne cesseras donc jamais de me décevoir, Obito. Heureusement, il est possible pour quiconque connaît les mudras de se défaire de l'emprise d'Edo Tensei, déclare Madara, tout en réalisant un signe qui ramène immédiatement son âme dans son corps. On est mal, Madara s'est libéré de mon emprise, déclare Orochimaru, qui est désormais dans les rangs de la coalition grâce aux effets du Koto Amatsukami. Le reste de la coalition est presque venu à bout des Zetsu blancs, mais déplore d'énormes pertes. Shikaku, le père de Shikamaru, ordonne alors à la coalition de se rendre au plus vite auprès de Naruto, afin de lui apporter du soutien face à Madara et Obito. De leur côté, Jiraiya et les autres se précipitent aussi pour rejoindre Naruto, après que Konan ait été mise KO par un genjutsu de Sasuke. Une fois sur place, les forces de la coalition sont réunies, et ils tentent d'allier leurs forces pour venir à bout des deux monstres que sont Madara et Obito. Je savais que tu viendrais, Sasuke, se réjouit Naruto en apercevant son ami à ses côtés. Je vois que t'as pas perdu une minute en mon absence, Naruto. Tu es devenu très puissant. Protégeons Konoha ensemble, lui répond Sasuke avec un léger sourire. Sakura, qui se tenait en retrait pour soigner les blessés, se réjouit de voir l'équipe 7 à nouveau au complet. Mais sa joie sera de courte durée. En effet, agacé par tous ces insectes s'en prenant à lui, Madara déploie son Susanoo parfait et commence à tout balayer sur son passage. Des shinobi sont tués par dizaines en un seul coup d'épée. Évite de tuer les Jinchuriki, ça nous compliquerait la tâche, dit alors Obito à Madara. Tu te permets même de me donner des ordres maintenant. C'est culotté. Pourquoi tu n'irais pas plutôt voir Nagato pour qu'il me réanime pour de bon et que je récupère mes Rinnegan, lui répond froidement Madara. Que les choses soient claires, je ne suis pas ton allié. Si tu veux tes pupilles, va les chercher toi-même. Mon combat ici n'est pas terminé, lui répond Obito. Ce dernier s'élance alors à nouveau vers Naruto et Kakashi, avec qui il considère avoir encore des comptes à régler. Gai propose à Jiraiya d'ouvrir la 8ème porte, mais ce dernier refuse, en expliquant que les Edo Tensei peuvent se régénérer et que leur seule chance de victoire est de sceller Madara. Mais Jiraiya en a bien conscience, la puissance de leur adversaire dépasse l'entendement. Il était en train de réfléchir à une contre-mesure lorsqu'une des lames du Susanoo de Madara s'apprête à s'abattre sur lui. Itachi parvient in extremis à le retirer de la trajectoire avec le bras de son propre Susanoo, mais le jeune Uchiwa se met à cracher du sang en grande quantité. Malgré le masque d'Anbu qu'il portait pour ne pas révéler son visage, Jiraiya aperçut le liquide rouge couler le long de son cou. « Itachi, tu ne tiendras pas », déclare Jiraiya attristé. « Ne vous en faites pas, si je meurs ici, vous gagnerez un atout de taille dans la bataille. » Obito profite du chaos généré par Madara et son Susanoo pour tenter d'aspirer Naruto dans sa dimension. Mais grâce à son propre Kamui, Kakashi parvient à anticiper. Malheureusement, ce dernier arrive très vite à court de chakra. Naruto lui aussi a déployé un grand nombre de clones sur le champ de bataille pour protéger la coalition, et il commence donc à s'épuiser. À ce rythme-là, on va se faire massacrer. Contre deux types seulement en plus. C'est rageant, comprend Shikamaru. Naruto est notre seul espoir. Faites tout pour le protéger, s'écrie à son tour Jiraiya. A l'aide du sable de Gaara, le Hokage a pu monter dans les airs afin d'attaquer la tête du Susanoo de Madara avec une attaque Senpo combinée avec Fukasaku Eshima, mais bien entendu, la défense du doyen des Uchiwa est impénétrable. Et tandis que la coalition peine à contenir le déchaînement de puissance de Madara, Itachi ne tient plus debout et finit par s'effondrer au sol, le buste recouvert de sang. Sasuke s'en aperçoit rapidement et se précipite auprès de lui. Sasuke, le moment est venu. J'ai prévenu Tsunade. Lorsque tu m'auras tué, elle se chargera de la transplantation et elle accélérera les effets de la greffe avec son sceau de création et renouveau suprême. Nous en avons discuté, ça devrait marcher, explique Itachi. Dans un premier temps, Sasuke refuse d'achever son frère. Moi qui ai vécu pour ce moment, maintenant qu'il est venu et que je connais le vrai Itachi, j'ai l'impression de ne pas avoir la force de le faire, bafouille Sasuke les larmes aux yeux. J'ai promis à nos parents de te protéger, et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour tenir cette promesse. Mais regarde-moi,
Je suis condamné. Prends mes yeux, et alors je continuerai à vivre à travers toi. » Le cœur serré, Sasuke se saisit d'un kunai et l'enfonce dans la poitrine de son frère. Après plusieurs minutes, Tsunade a enfin remarqué la scène. Elle se précipite alors pour rejoindre Sasuke, quittant son poste dans l'arrière-garde, d'où elle contrôlait les différents corps de son invocation Katsuyu pour soigner les blessés et communiquer les stratégies de Shikaku. Une fois sur place, elle constate que les pupilles de Sasuke sont chargées d'un chakra très dense et qu'elles sont en train d'évoluer. « C'est le moment, mon garçon. Honorons la volonté de ton frère. Nous devons faire vite. » En parallèle, Naruto commence vraiment à se fatiguer et le démon renard tente une nouvelle approche. « Tu dois sortir du mode chakra. Si tu veux pouvoir tenir la cadence, laisse tomber la protection des autres et replie-toi le temps que mon chakra se recharge. Si tu crois que je vais les laisser tomber, c'est mal me connaître. Je les défendrai quoi qu'il en coûte et j'empêcherai Madara de s'emparer de toi. Toi non plus, je ne veux pas t'abandonner, lui crie alors Naruto en retour. » Le démon renard se surprend lui-même à être touché par les mots de Naruto. « Au fait, je ne t'ai jamais demandé ton nom. Décidément, t'es pas un gamin comme les autres. Appelle-moi Kurama. » La coalition redouble d'efforts pour contenir le déferlement de puissance de Madara. « Vous n'êtes pas de taille contre moi, tout autant que vous êtes. Vous êtes bien loin d'égaler la puissance de mon éternel rival Hashirama. Laissez-moi vous montrer un aperçu de ce dont il était capable, rigole Madara, avant de déployer la croissance luxuriante de la forêt, technique secrète du Shodai Hokage dont il s'était greffé les cellules après leur combat dans la vallée de la fin pour s'éveiller au Rinnegan. Les shinobis de la coalition se font totalement déborder par l'ampleur du jutsu. Mais Naruto, qui vient de repasser en mode ermite pour laisser le temps à son chakra de Kyubi de se recharger, parvient à en repousser une grande partie grâce à sa grêle d'orbe. En parallèle, Obito et Kakashi continuent de jouer au chat et à la souris. « Obito, tout est de ma faute, je n'ai pas su tenir ma promesse, je n'ai pas su protéger Rin. Si tu dois te venger de quelqu'un, c'est bien de moi. Pourquoi avoir impliqué le monde entier là-dedans ?» demande Kakashi naïvement. « Tu n'y es pas, Kakashi. La mort de Rin m'a tout simplement fait réaliser que le monde Shinobi dans lequel nous avons eu la malchance de naître est un enfer. C'est bien présomptueux de ta part de penser que je fais tout ça pour toi. Je serai celui qui mettra fin au cycle éternel de souffrance dans lequel nous sommes tous enfermés. Mais puisque tu insistes, je commencerai par toi, » poursuit Obito. Ce dernier se projette sur Kakashi et le prend de vitesse avant de l'aspirer avec son Kamui. Gai, qui venait d'observer la scène, s'empresse de se frayer un chemin vers Obito pour le confronter à son tour. « Obito, tu es tombé bien bas. Nous t'avons tous pleuré. Rin ne s'est jamais remise de ta disparition. Que penserait-elle si elle te voyait aujourd'hui ?» demande Gai à l'homme masqué. Obito ne prend même pas la peine de répondre et fonce tout droit sur son adversaire. Ce dernier parvient à esquiver et tente de l'enchaîner avec ses Nunchaku. Bien sûr, ses assauts passent au travers d'Obito, mais Kakashi, qui se trouve dans la dimension Kamui de l'autre côté, profite qu'une partie du corps d'Obito s'y matérialise pour le frapper à l'estomac. Obito réalise que Kakashi a parfaitement compris le fonctionnement de leur technique commune. Mais ce dernier a un plan. Il continue d'attaquer Gai afin de donner volontairement l'opportunité à Kakashi de lui porter un coup fatal. Et alors qu'une partie du corps d'Obito réapparaît dans la dimension Kamui, Kakashi prend son courage à deux mains et transperce la poitrine de son ancien ami avec son Raikiri. De l'autre côté, Obito s'effondre au sol, faisant mine d'être surpris devant Gai. Ce dernier pense alors qu'Obito a été mis hors d'état, mais tandis qu'il a relâché son attention et s'apprête à se mettre en route vers les autres, Gai a à peine le temps de ressentir une présence dans son dos avant d'être mortellement poignardé par un kunai. Obito venait d'utiliser Izanagi, le genjutsu interdit des Uchiwa, afin de surprendre son adversaire. L'équipe Gai a tout vu, Rock Lee n'en revient pas, son maître vient d'être tué de sang-froid sous ses yeux. De son côté, Kakashi vient d'utiliser ses dernières forces pour revenir de la dimension Kamui, pensant avoir tué Obito. En réapparaissant, le sensei de l'équipe 7 n'en croit pas ses yeux. Obito est toujours là, se tenant devant le corps inerte de Gai Maito. Naruto aussi a tout vu. Foudrage, il tente de se précipiter vers Obito mais il est interrompu par Jiraiya et Killer Bee. « On a besoin de toi ici, Naruto. Moi aussi j'enrage. Mais notre priorité est de sceller Madara. Il sera encore plus ingérable sans toi pour nous soutenir, » explique Jiraiya la gorge serrée. « Obito, comment as-tu pu ?» demande Kakashi l'air totalement choqué. Je te l'ai dit, Kakashi, je commencerai par toi. Joins-toi à moi et créons ce monde parfait dans lequel Gai, Rin et tous les autres sont encore là, lui répond Obito en tendant la main. La manipulation de ce dernier ne prend pas et Kakashi enrage. Pour lui, il est clair maintenant que le Obito qu'il a connu n'existe plus. C'est bientôt fini, demande Sasuke à Tsunade. Pas de précipitation, tu devrais commencer à ressentir des pulsations dans tes nerfs optiques. Du moins, c'était la théorie d'Itachi, répond-elle. Après plus d'une heure à partager son sceau du Byakugo pour permettre l'accélération du processus de transplantation des yeux d'Itachi, Tsunade commence à vaciller. Mais elle redouble d'efforts et n'abandonne pas. Avant de partir pour Ame, Itachi avait été clair. Permettre à Sasuke de s'éveiller au Mangekyo Sharingan éternel était essentiel pour permettre à la coalition de faire face au leader d'Akatsuki. Et en constatant que l'homme masqué n'était pas le vrai Madara, et lorsque ce dernier avait fait son apparition sur le champ de bataille avec les pouvoirs de son grand-père qui plus est, Tsunade avait fait de la transplantation sa priorité absolue.
Je commence à ressentir le pouvoir d'Itachi en moi, déclare Sasuke, alors que Tsunade s'effondre au sol, faisant disparaître ses invocations du champ de bataille. En constatant ça, Sakura comprend immédiatement que quelque chose s'est passé avec Tsunade et elle quitte à son tour son poste dans l'arrière-garde. Après quelques minutes, elle finit par retrouver Sasuke et une Tsunade inconsciente. Occupe-toi d'elle, Sakura. Elle a risqué sa vie pour me permettre d'affronter Madara. Fais en sorte qu'elle ne meure pas, s'il te plaît, déclare Sasuke, en révélant un nouveau dojutsu au motif complexe, le Mangekyo Sharingan éternel. Sakura ne comprend pas tout, mais elle s'empresse de tenter de soigner Tsunade. Une poignée de Zetsu blancs survivants apparaissent alors en jaillissant du sol pour tenter d'achever Tsunade, mais ils sont immédiatement consumés par un feu noir. Je vois, c'est donc l'Amaterasu, pense Sasuke avant de se précipiter en direction de Madara. Une fois sur place, il retrouve Naruto, Bi ainsi que les Kage, qui tentaient toujours sans succès de contenir Madara tout en évitant difficilement ses puissants assauts. « Ne reste pas là Sasuke, c'est trop dangereux », s'écrie Naruto. La ferme le boulet, Itachi m'a confié ses pouvoirs pour me permettre d'affronter les deux Madara avec toi. Ce sera peut-être notre dernière mission ensemble. Alors essaie de ne pas me ralentir, lui répond Sasuke avec un petit sourire en coin. Jiraiya n'était pas surpris, Itachi était de toute façon condamné, mais il ne put s'empêcher de ressentir une grande tristesse. Lui qui avait tout sacrifié pour le village. Même dans la mort, il arrivait encore à défendre Konoha et son petit frère. Alors que Sasuke vient de les rejoindre, le chakra de Kurama est enfin rechargé et Naruto peut réactiver son KCM. Très bon timing, Kurama déclare Naruto tout en déployant un avatar de Kyuubi gigantesque. Il s'élance alors vers Madara mais peine toujours à tenir tête à son surpuissant Susanoo. En observant la bataille, Sasuke comprend qu'il doit rapidement s'accoutumer à ses pupilles afin de lui aussi développer un Susanoo pour combattre le feu par le feu. Il s'empresse donc de tester les capacités de ses nouveaux dojutsu en envoyant des salves d'Amaterasu sur Madara, un Mangekyou Sharingan éternel. Ce jeune homme a l'air bien plus doué qu'Obito, dommage qu'il soit né plus tard. Il n'a pas encore l'air très à l'aise avec ses dojutsu. Je devrais peut-être l'empêcher de trop les développer, pense alors Madara, avant de se précipiter hors de son Susanoo pour attaquer Sasuke. Mais ce dernier a parfaitement lu ses mouvements et il déploie sa marque maudite pour s'envoler dans le ciel et ainsi éviter l'attaque de Taijutsu de Madara. Avec la marque maudite et un Mangekyo Sharingan éternel, Sasuke peut se permettre d'utiliser ses pupilles sans compter. Avec un peu de chance, il aura totalement maîtrisé son dojutsu d'ici peu. Naruto et moi on se charge de celui-ci. Allez aider Kakashi face à l'homme masqué, demande Sasuke au Kage. Ces derniers s'exécutent et se précipitent auprès du sensei de l'équipe 7 et Lee, qui tentait encore d'attraper Obito. Madara essaie de leur bloquer la route avec un puissant katon, mais celui-ci est repoussé par celui de Sasuke boosté à l'Amaterasu. Naruto et Sasuke progressent à une vitesse exponentielle, et ils parviennent même à résister à la puissance de Madara en unissant leurs forces. En chemin pour rejoindre Kakashi, Jiraiya s'aperçoit qu'Orochimaru a disparu. En principe, pas de quoi s'inquiéter, ce dernier est censé être dans leur camp. Mais où a-t-il bien pu partir si soudainement? Pour l'instant, pas le temps de se poser la question, il faut vite neutraliser l'homme masqué afin de se focaliser ensuite sur Madara. De son côté, Obito comprend qu'il va avoir du mal à gérer tout ce beau monde. En voyant Naruto lutter pour défendre son rêve de devenir Hokage, et par extension le monde Shinobi, l'homme masqué s'était lui-même surpris à s'énerver. Pourquoi ce gamin et ses amis m'irritent autant? Moi qui croyais avoir dépassé ce stade de la colère. Pourquoi est-ce que je ressens ce besoin irrépressible de lui prouver que ma vision est la bonne, se demandait Obito depuis. En plus, avec le retour de Madara, qu'il avait prévu de doubler en lançant lui-même le Mugen Tsukuyomi, tous ses plans avaient été bouleversés. Comment Orochimaru avait-il pu mettre la main sur le corps de Madara pour son Edo Tensei? Quelque chose clochait clairement dans cette histoire, et la colère d'Obito ne faisait que monter. Aveuglé par sa rage, Obito se précipite dans un portail et prend la fuite pour rejoindre Nagato et Zetsu en haut de la tour. Son objectif, voler une des pupilles de Nagato pour empêcher Madara de les récupérer, et pour lancer lui-même le plan Œil de Lune. Obito, qu'est-ce que tu fais là? Demande Zetsu. En effet, ce dernier avait anticipé qu'il essayerait de doubler Madara, et il avait donc tout prévu en permettant à Orochimaru de l'invoquer avec les Dotensei. Et tandis qu'il s'approche de Nagato pour tenter de lui arracher sa pupille gauche, Obito sent son corps se figer. Sur le champ de bataille, Madara venait de réaliser un mudra afin d'activer le sceau qu'il avait apposé sur le cœur d'Obito pour garantir sa fidélité. Ce dernier est totalement tétanisé. Nagato en profite pour transpercer le corps immobile d'Obito avec un de ses pieux pour l'exécuter sur le champ, l'empêchant ainsi de lui voler ses pupilles. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui prend? Demande Nagato à Zetsu, alors que ce dernier se détache soudainement de son Zetsu blanc pour s'agripper au corps de Nagato. Tu nous as bien servi, Nagato. Maintenant, il est temps de rendre la vie à Madara. À peine le temps pour Zetsu de finir sa phrase qu'il est transpercé dans son dos par une épée. Celle de Kusanagi. De leur côté, Kakashi et Jiraiya s'étaient bien entendu lancés à la poursuite d'Obito, dont Fukasaku et Shima avaient senti le chakra réapparaître en haut d'une tour du village. En arrivant sur place, ils découvrent donc un Obito le cœur transpercé aux portes de la mort, et un Orochimaru l'âme à la main après avoir transpercé le corps de Nagato et Zetsu. Bon timing, Jiraiya. J'ai bien fait de venir ici le premier. En effet, Orochimaru avait compris que Zetsu noir manigançait quelque chose. Dès qu'Itachi l'avait placé sous le koto à Matsukami, et après avoir rompu les Dotensei, son corps s'était machinalement mis en route vers Zetsu noir, car il l'avait compris, la vraie menace venait de lui.
En parallèle, Naruto a produit un clone qu'il a laissé en retrait de son combat contre Madara pour collecter de l'énergie naturelle. En effet, avant de partir rejoindre Kakashi, Fukasaku lui avait suggéré d'essayer de cumuler le Senjutsu avec son mode chakra de Kyuubi. Maintenant que le démon renard et toi est entré en résonance, tu devrais pouvoir cumuler mode ermite et mode Kyuubi. Ce sera le résultat final de nos années d'entraînement. Tu sais quoi faire, gamin, lui avait dit le vieux crapaud. Et effectivement, Kurama le lui avait confirmé, le mode chakra de Kyuubi permettait même d'accumuler l'énergie naturelle encore plus efficacement. Ainsi, en révoquant son clone, Naruto parvient à coupler son mode ermite au mode Kurama, ce qui booste considérablement ses capacités. De son côté, Sasuke commence à développer son Susanoo à vitesse grand V, jusqu'à manifester un avatar complet qu'il parvient même à recouvrir de sa marque maudite. Je vois, vous êtes doué pour des gosses. Je ne m'étais pas amusé comme ça depuis mes combats contre Hashirama. Malgré ce petit compliment, Madara parvient tout de même à combattre les deux rivaux dans une bataille si dantesque qu'aucun membre de la coalition ne peut ne serait-ce qu'approcher. En plus, dans l'esprit de Madara, il sera bientôt ressuscité et il récupérera ses deux Rinnegan, donc avec ça, plus personne ne pourra l'arrêter. Cela dit, étrangement, Madara s'étonne d'être toujours un Edo Tensei. Zetsu, qu'est-ce qui peut bien te demander aussi longtemps, pensa-t-il. De retour à la tour, Jiraiya se précipite auprès de Nagato pour lui apporter les premiers soins. Kakashi se penche quant à lui vers Obito, qui s'apprête à rendre son dernier souffle. Tout le monde l'avait trahi. Sa poitrine transpercée, Obito ne pouvait même plus parler. Il aurait aimé adresser ses dernières paroles à Kakashi, mais ce dernier, qui venait de lui retirer son masque pour la première fois depuis 15 ans, avait lu dans son regard. Il l'avait compris. Obito était désolé. Pendant ce temps et de son côté, Orochimaru arrive à immobiliser Zetsu Noir et il décide de le sceller dans l'estomac du dieu de la mort avec un de ses clones. Jiraiya-sensei, je crois bien que moi aussi j'ai été manipulé. Zetsu a essayé de me forcer à ressusciter Madara avec une de mes techniques. Il va bientôt venir ici. Vous devez me sortir de là, nous ne sommes pas de taille face à lui, explique Nagato. Tu as raison, nous ne sommes pas de taille, mais eux le seront bientôt, répond confiant Jiraiya. Naruto et Sasuke continuent de repousser les assauts de Madara, pendant que les plus puissants membres de la coalition guettent la moindre ouverture pour le sceller. Mais Madara est inépuisable, alors que Naruto a déjà beaucoup dépensé, et que Sasuke consomme son chakra sans compter. Les deux rivaux commencent même à être dominés. Mais tout à coup, ils sentent que leur chakra remonte. Sakura venait d'invoquer Katsuyu pour la première fois, afin de leur donner une dernière chance. Tous les 11 de Konoha se réunissent alors autour de Naruto et Sasuke pour tenter de leur gagner du temps. Grâce à ça et grâce à la petite partie de Katsuyu attachée à eux, les deux rivaux parviennent à regagner des forces. Ils en ont tous les deux conscience. Les espoirs d'Itachi, de Minato, de Jiraiya et de tous les autres posent sur leurs épaules. Et alors que Naruto redéploie son avatar de Kurama, Sasuke le recouvre de son Susanoo. Ce sera leur plus puissante et ultime attaque. Le Kurama géant se projette alors vers Madara, qui a à peine le temps de déployer son Susanoo, qu'il venait de révoquer pour martyriser Sakura et les autres. Mais Madara est directement déséquilibré par la charge du Kurama en armure. Naruto et Sasuke en profitent pour former une immense épée qu'ils projettent en direction de Madara pour briser sa défense. L'avatar de Kyuubi se saisit alors de son corps. Madara tente de se débattre mais il est fermement retenu et des dizaines de shinobi s'amassent autour de lui. Gaara répand son sable sur lui pour renforcer la prise pendant que Killer-B et le Raikage se précipitent vers Madara. Killer-B porte dans sa main le vase d'ambre, un des trésors du Rikudo que son village utilisait autrefois pour sceller le démon à 8 queues et stopper ses déchaînements. En un instant, le corps de Madara est aspiré dans la jarre. Mais le Raikage Ebi peine à maintenir le vase en place. Le chakra de Madara est trop puissant et le sceau ne tiendra pas. Heureusement, la coalition n'avait pas passé tout le combat seulement à observer. Ils avaient mis en place une stratégie qu'ils avaient partagée à tout le monde pour sceller Madara. Et alors que le sceau allait se briser, Kakashi fait son retour sur le champ de bataille accompagné d'Orochimaru. Le sensei de l'équipe 7 porte alors son regard vers la jarre, qu'il fait disparaître en l'envoyant dans une autre dimension. Avec ça, même si Madara s'échappait du vase, il serait à jamais bloqué dans la dimension Kamui. Pour éviter que quiconque ait un jour la mauvaise idée d'exploiter le Mangekyo Sharingan de Kakashi et d'Obito, et libère ainsi volontairement ou non Madara, Kakashi s'empresse de crever sa propre pupille après avoir détruit celle d'Obito quelques instants plus tôt, scellant ainsi définitivement le sort de Madara. La coalition a gagné. Naruto et Sasuke ont réussi l'exploit de tenir tête à ce monstre, offrant l'opportunité à la coalition de le sceller. Tandis que grâce à Itachi, Orochimaru s'est débarrassé de Zetsu Noir. Jiraiya et Itachi ont remporté leur pari. Grâce à leurs efforts et leur collaboration, ainsi que l'aide de Kumo et Suna, mais surtout de Naruto et Sasuke, la menace de l'Akatsuki a été écartée. Minato, Itachi, vous pouvez être fiers. Ils ont réussi, pensa alors Jiraiya, tandis que les shinobi de la coalition fêtaient la victoire. Plusieurs mois se sont écoulés et Konoha prospère. Naruto a passé l'examen Chunin et il suit une formation théorique afin de se préparer à succéder un jour à Jiraiya au poste de Hokage. De son côté, après avoir enterré son frère en secret, Sasuke s'est vu secrètement confié par Jiraiya un poste au sein des forces spéciales. Son rôle, traquer les ninjas déserteurs de Konoha et tout autre type de menace extérieure pour le village.
Orochimaru, Nagato et Konan sont quant à eux mis aux arrêts, et malgré l'affection qu'ils leur portent toujours, Jiraiya sait bien que leurs crimes sont impardonnables et qu'ils finiront leur jour en cellule. Mais le Hokage était néanmoins rassuré de les savoir en vie. Gai reçut quant à lui des funérailles à la hauteur de son sacrifice. Kakashi avait perdu ses deux meilleurs amis dans cette bataille, mais il se consolait en continuant à observer de près l'évolution de Naruto et en participant activement à sa formation. La paix s'était enfin installée. Jiraiya le savait, rien ne garantissait que cette période paisible ne dure éternellement, mais il en était convaincu, quelles que soient les menaces futures, Konoha fera front. Merci à tous d'avoir suivi cette longue chronique les potos, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, lâchez vos meilleurs likes et commentaires pour le référencement, vous savez, ça soutient de ouf. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, j'ai plein d'idées du chronique et d'autres formats en tête, donc la cloche, tout ça, vous connaissez les bails. Au passage, si vous voulez parler de Naruto et de plein d'autres sujets, je vous mets aussi le lien de mon Discord en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre Culture. Peace.